La charte d'éthique des concours 2024 de la fonction publique a été signée par les différentes parties prenantes. Cette règle fondamentale permettra aux préfets de région, aux superviseurs centraux et généraux, aux surveillants, aux correcteurs et à la gendarmerie nationale de faire montre de probité pour renforcer la crédibilité des concours. Processus important, Madame la ministre d'État, à ce que le recrutement à la fonction publique est le point de départ pour une administration de qualité, une administration compétente, une administration efficace. Pour la ministre Anne-Désirée Ulloto, il est urgent de mettre un terme à la fraude. Elle demande aux différentes parties prenantes plus de proactivité. Être en responsabilité dans l'organisation des concours, ça doit être insensé tous. Pas de tata. Pas de favoritisme. Parce que moi, je compte sur vous. Si vous ne le faites pas, qui le fera à ma place? La charte d'éthique des concours 2024 de la fonction publique est instituée depuis 2022. Elle est composée de 15 articles et s'inscrit dans une dynamique de transparence et d'équité.